trois petits cochons à la queue en tire-bouchon, qui lorsqu'on parlait du gros méchant loup ne s'affolait pas du tout. Le premier joyeux vivant et faisant tut-tut en jouant sur sa flûte se bâtissait un logement. L'autre, le second, faisait sa maison en bois de mirliton, et de son violon donnait le frisson aux dames cochons. Et avec le numéro 3 qui voulait bâtir son toit avec de la brique et puis du ciment et travaillait sérieusement. Ah ah ah, les deux autres gros le prenaient pour un ballot. Ah ah, qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tam tadrida, ah ah, si jamais nous le rencontrons, quoi de mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons. Tra la 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 la. Mais voilà qu'en fin de journée, Monsieur Loup montra son nez sur la maison de foin soufflant, il fit ouf, elle tomba, boum, patapouf. Les deux premiers petits cochons tremblaient dans leurs pantalons, car la maison faite en bois de mirliton s'écroula de la même façon. Mais le numéro 3, plein de sang-froid, leur dit « Venez chez moi !» Vite, ses compagnons ne firent qu'un bond dans sa maison. Sur ses briques et son ciment, le loup se cassa les dents. Si bien que vexé pour en terminer, il périt dans la cheminée. Ah ah ah, faisaient les cochons eux-mêmes en tire-bouchon. Ah ah, qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tchamplalolida, ah ah, nous n'allons plus le rencontrer. Vous mentez, c'est pas